Bien-aimés dans le Seigneur, Balandia Samarche Télévision, une chaîne chrétienne pas comme les autres. Une chaîne chrétienne pas comme les autres. Deux grands événements, le fer aiguise le fer et la célébration de la foi. Ba maman, ba papa, ba ndeko bayaki ebele na basali nzambe ko yoka nini oyo nzambe asengelaki koloba na bango, nini oyo ezalaki comme instruction, nini oyo ezalaki comme enseignement bayaki ebele bola na bango. Nous avons appris que non, la terre est gouvernée par le spirituel. Ce que nous maîtrise, il y a un monde spirituel qu'on appelle le monde invisible. Il y a un invité. Ce qui n'a aujourd'hui ma coquille à koyate, bien aimé, silité, malaisima. Pendant qu'on prépare un matin, mouke, on a un agenda dans la moutou que l'année prochaine, la nouvelle, notre édition est à Siko et Koya, Nazangate, parce que ta vie en dépend. Bien aimé, Nathan, tu commis Kozra, n'a pas pour hasard authentique. C'est un privilège de la part de Dieu. Je nous invite tous l'année prochaine, ton sang a été parce que bon, mon inabiso, ils ont dépendre jour après jour, n'habille les autres, ils ont sur le plan spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, peuple de Dieu, au nous soyons l'inabiso. Moi, l'ambassadeur du Christ, Jean-Claude Kingom, le fils du révérend Dayo Samuel, je suis pasteur missionnaire dans le Congo central, précisément dans la ville de Matadi. Et Esaïe pour la mission est Sengo, il y a pour participer à la célébration de la foi et à la conférence Le Fer, Église, Le Fer. Tout ça, Bongo, dans la commune de Matadi, précisément comme référence, entrée de l'hôtel Lédia. Et tout ça, on a une église vive dans l'avenue Longosita numéro 52. Et le Bongo Tosanganaka chaque mercredi et vendredi, de 17h à 19h30. Bongo chaque dimanche, il y a une explosion de la parole, et il y a de 8h jusqu'à 10h30. Et tout ça, il y a 5 ans. Il y a encore la carte de célébration de la foi au Toyaka chaque année. Cela veut dire Toyaka, Koyeko encore auprès de notre visionnaire, auprès aussi d'expérience, au Yazui et pas Yanzambenaï. Bongo, dans mon corps, il y a un sujet qui est l'autodiscipline. Bien aimé dans la foi, dans le domaine Nyonso, et ça, dans le ministère, au cause de la commerçant, aux en politique, aux enseignants, puis aux gens qui rêvent, la grandeur lobby, l'autodiscipline est un élément essentiel à ne pas louper, mais ce que vous considérez, puis au côté en pratique, non pas qu'à au yécoli pour la misala et comme mémo musica et qu'on distingue par rapport à yo na baninga la même la milieu au sala. Pour comprendre que nous avons besoin de s'épanouir pour ce qui est le bon. Il est important que nous avons besoin de mettre en pratique. Jacques Alobi, nous avons besoin de mettre en pratique. Le ministère, le moussala, le projet, et que nous protéger pour que nous musique. Bien aimé dans la foi, c'est important. Ce qui bateau dans la casse-port, pour ne pas remporter la coupe, pas remporter la couronne, pas se discipliner, pas écoler, pas s'imposer la discipline, pour ne pas remporter, et le colombien, comme le banango, à combien de plus fortes raisons, c'est important, c'est la loi spirituelle, car la vie ici-bas est spirituelle. La spiritualisation sans l'autodiscipline et sans la résilité. Mais la carte de spiritualisation, ce qu'on continue autodiscipline, même mes limo auto monakate, même mes pépés auto ébaga sensité, et qu'auto sayo,
parce que Nzambe yango ya nyonso akovanda kati na yo pe akotambola na yo tiket Nzambe apambola bino na oyo toyoki pe na oyo partager ensemble. A paz do Senhor a todos os homens de Deus em nível de Angola, de Cabinda da Cunene. Chamo-me pastor Abraão da Graça. Eu sou o pastor líder, ou seja, responsável da igreja IRI, seja a Igreja Reavamento Internacional. Está situada na Rotunda do Camama. Vai participar nesta grande conferência denominada O Ferro Aguça o Ferro, aqui na RDC, precisamente aqui na cidade de Kinshasa, na igreja FIM, na igreja onde o meu pai espiritual, o reverendo Dayo Samuel, está a liderando. Viemos, ao longo dessa semana, participamos numa conferência, e esta conferência, como está o nome O Ferro Aguça o Ferro, exatamente o que está acontecendo. Então, nós aprendemos muitas coisas, temos muitos tópicos, como, por exemplo, estou a atravessar, outro, as razões de permanecer nos pés do Mestre, outro também como receber o manto do Pai, outro está a dizer sobre Deus que muda os destinos, outro tema está a falar, falou acerca dos obstáculos que te impedem de avançar para romper. E no fim, hoje aprendemos a avançar na missão de Deus no meio dos Elimas. Aqui nós aprendemos Elimas, são todos aqueles que estão ao nosso redor, em qualquer área onde você trabalha, seja na igreja, seja dentro do staff da igreja, da liderança, seja no negócio, seja na escola, os Elimas, esse espírito Elimas está em todas as áreas. Tem como a missão de impedir alguém não conseguir de avançar na missão que Deus lhe colocou ou não conseguir de atingir o seu objetivo na vida, como é o propósito de Deus. E dali, o Pai nos ensinou algo muitíssimo importante. Ele disse que a vida é espiritual. Devemos prestar atenção com essa palavra. A Bíblia, a vida é espiritual. 90, 80% da vida é espiritual. Então, se a pessoa não sabe espiritualizar a sua vida, espiritualizar o que Deus colocou na sua mão para operar, seja para atingir o seu ministério, ela nunca vai chegar onde Deus tinha preparado. E aprendemos também acerca da autodisciplina. Uma matéria muito importante, uma matéria que é raramente de ouvir na igreja. Aqui nós aprendemos acerca da autodisciplina, como nós podemos nos disciplinar a si mesmo, como nós podemos disciplinar a nossa vida de oração, no nosso relacionamento com o Senhor, como podemos nos disciplinar no nosso ministério, como podemos disciplinar o nosso tempo e não só. Então, em suma, aprendemos muitas coisas que nos deu a bagagem para que nós possamos olhar o ministério, ou seja, todas as áreas onde que Deus nos chamou, nos colocou, e fazer as coisas de uma outra forma diferente para vermos os resultados diferentes. Em suma, é isso que nós acabamos de aprender. Olá, pastor, bem-vindo. Olá, ambassador missionário na Rwanda. Na Mwanda Tozwami na Avenue Sanzu, numéro 4, juste na station Kobil, entre les jeunes champions d'église na Bisezana, et Toyaki pour les faire, église les faire, et la convention annuelle, où l'ambassadeur Dayo Samuel a venu à ses serviteurs, pour aiguiser Bango, pour passer en orientation, dans l'instruction, et pour la conférence, où Toyaki fortement béni parce que papa a utilisé Bana, Banaba. Si ou basaki na kwamba connaissance tous qui vraiment aiguisé que nous sommes vraiment obligés à comprendre na se ya makule mola ki potoyé kolaka to ba ndenge ni toko kenya li boso tu va ya moto pa pour les ambe pour à permettre to kouta dans les sous et to yebi que la fois prochaine to kouta dans les sous na ba enseignement ya. Bonjour peuple de Dieu, je réponds au nom de pasteur Patrick Mputu, l'ambassadeur ya extension ya film Boma. Et je suis en train de faire des choses partout dans le monde. Et
profiter peto mekako yambula moi yamoketo uti ko soit de la part de l'ambassade na Nzambe sur l'autodiscipline matière ya moko o epamboli biso mingi ko uta e pa ya l'ambassadeur du surnaturel notre papa très cher papa l'ambassadeur Dayus Samuel bien aimé dans le Seigneur. Autodiscipline, les alliés, Moutouya Makasi, si tout qu'on a mis sous. Tomoni, ma généraux et belé dégué, ma siliko kouéa, à cause y'a manque y'a discipline. Alors, au coquille qu'on allait lever, mais pour élévation, on dit, ma pessio, et ou mela, le Seigneur, on a la discipline. Parce que l'autodiscipline, c'est une fondation de base. On a aspect nyo so ya ba vie na biso ko koza la commerçant ko koza la pasteur ministre de Dieu ko koza la politicien aussi longtemps que fondation na yo autodiscipline et vanité na bomo na yo ko mona ko ki ko mata mais ko kite koza la certain mais ce qui fondation na et vandi na bomo na yo ko mona nyo so tu ya yo et ko kende musika vraiment te pesi ba na nzambe nyo so mbote. Sikati Nzambe à Pambola Bino, Tomonani na prochaine édition, il y a la conférence, la grande conférence, les fers, Église, les fers, que Dieu vous bénisse. Ngai Papa Ipo, Nazali Mouye Koli disciple, la Église Fête International Mission, film en cycle, du 28 au 30. Nous avons mis le loulou moko ya kafu kafu awa na église fil. Nous avons mis la célébration de la foi. Nous avons célébré kondi manabiso na manda oyo nzambe apesi mungu na yo mungu na ye dayo sabien. Nous avons mis le manda oyo nzambe apesa mungu na ye dayo sabien. Ayebi si alobi amener mon peuple dans la connaissance du surnaturel, dans tous les aspects de leur vie, par la prédication de la parole de la foi et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Zambe mokolo na mokolo, azali ko confirmer mandat oya pesa na mungu na ye. Tozali ko bika bika moi ndenge na ndenge, tango nyoso tozali ko sangana na présence ya Nzambe na oya esika. Yango tozoki mikolo misatu poto ya ko célébrer Nzambe wa sali makambu ya motuye ya minene na bomoy ya moko moko na biso. Ba oyo batambola rate, batamboli, ba wey, ba sekwa, ba sexe ya basi. Tomoni ko changer, misu ekufa. Tomoni batu ko fungula misu d'une manière surnaturelle pour Nzambe a confirmer mandat ya moko na ye. Yango na lingi ko inviter yo, ndeko na ngai. Kaka ndenge biso tozwi ngolwana ya kobika bikamo ya kovivre surnaturel na mikolo misato oto oti kolekisa awa du 28 au 30 septembre na lingi yope comme ezali milulu toorganizaka chaque année yope année prochaine kozanga te oya pe koparticipe na milulu oyo mais tosengi pe na mikolo na biso pe ya baculte. Est-ce à la mercredi, est-ce à la vendredi, est-ce à la dimanche, ce que vous allez dans il y a 4 heures qu'on coûte pour chaque fois que tu croyais dans la présence de Nzambe, Nzambe a zo sala makambo ya minene ya mutuya, ou ezo leke la mayele na bato, yope, quel que soit problème yo za na yango, est-ce à la problème ya santé, est-ce à la problème ya musala, Nzambe, ce que vous avez, à ko kangola, à ko pambola, yon nega sali pour la biso, la kombo na yes. Bonjour, comment on a sœur Sandra. Nous avons trois jours et les boissons de la foi. Nous avons papa Langa Dayo, à Salibika, moi, Minene, à Baviabat. Nous avons un talibos, à Bikamo, à la vie, 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 à la célébration de la foi. Et si Karoyo Nzamba Zali Boya Makamwa Minene Zosa Manawe Sika na Bengi Bino Boya ne Pocheto célébré Nzambe Nanzela à travers Moussali Nae. Kombo Nangai
Maman Georgette Folo. Invitation nga vraiment. Ezali mingi mingi na bato ya ajo yangai. Ajo yanga eza aja bato yo ba lakisaka ke ba yebi mingi. Ba rejoin belé. Menga na oyebi sabino, oyeba mingi. Ezala kana nzambe mutapesa ka mayele. Nzambe peso mayele zo mayele wana. Il faut que vous ayez la makola nzambe ko yoka mingi. Oyoka pe mingi ko sali nyoso tuté. Kana ndenge ba yebi saka biso ne tonga na biso blessé de guerre. Asia zoka ayebi ndenge azoki pe alakisi bino stratégie nini oye ebi maki. Nga nzambe na témoignage. Témoignage. Nzambe. Awa na église film. Les loyaux, na comment go tambola, sans comme anti-inflammatoire. Na za tubro na zo tambola. Papa zo la ki sabiso. Ndenge nini oko sambela. Pi bazo em sabiso ko sambela ngo. Ezale ko yoko to yoko za mikonyo so ko tanga Bible yo mo kote. Il faut ya na makolo ya basali ya nzambe ba yebi bala ki sayo. Yo ki ko yeba ke. Pono longa. Ezale kaka oto yo kaka. Koyeba ko lamuka na butu. Ko telemela bilimo wana. Ko kanga bango minoko. Po bazo pouvoir repa na yote. Na bana note na bakoko note. So bala ki se toko yeba. Wana na bengi sipino. Boya. Boya ko mon. Boya ko yoka. Boza la peba beneficiaire. Po na bomo ina bino. Na kombo na yeba. Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle la sœur Harvey Onzier. Je reviens de Brazzaville. Je suis venue à Kinshasa ici et c'était pour célébrer la foi avec notre Dieu. Alors je bénis Dieu pour tout ce que nous avons vécu en ce lieu. Et malgré le risque que nous avons pris, nous avons assumé d'être là et ce n'était pas pour rien. Et franchement, je vous assure que nous avons été bénis pendant ces moments. Nous avons célébré la foi et comme l'homme de Dieu a su le dire, pardon, que c'était facile au nom de Jésus. Et nous aussi, de notre côté, nous avons vécu la même chose. Il y avait l'opposition, les obstacles. Mais entre-temps, le monde de ténèbres savait ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Et je bénis Dieu parce que Papa Dayo nous a parlé de la discipline. Aujourd'hui encore, nous avons été bénis abondamment. On nous a parlé des élimasses et je bénis Dieu pour ça. Alors, pour toi qui es là-bas, toi qui es encore chez toi à la maison, tu es resté à la maison, de partout nous vous invitons. C'est la célébration de la foi se fait chaque année. Chaque année, faites comme nous aussi, nous avons eu le risque de traverser Brazzaville jusqu'ici. Ce n'est pas en vain, bien-aimé. Donc, je nous invite à venir massivement à l'année prochaine. Et vous serez réellement bénis. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux, très nombreux à suivre Zazine, qui vous a certainement béni. Le rendez-vous est pris prochainement sur notre chaîne Ça Marche Télévision. Que le Dieu des cieux vous bénisse.